Écoutez Coé, c'est bien. Le voir, c'est mieux. Je prends des nouvelles immédiatement. Comment ça va? Ça se passe bien, le rhume, tout ça, ça se passe How you feeling? Je suis malade, but ça va bien. Ah, bon. C'est sûr. D'accord, tout va bien. On a Déborah qui veut poser sa question. Je rappelle que l'album est sorti au mois d'octobre. Si vous voulez l'avoir, c'est l'album qui s'appelle Red, qui est l'album de Taylor Swift. Vas-y, Déborah, je t'écoute. Oui, donc la première question, c'était pour savoir si dans ses chansons, ses sentiments, ce qu'elle ressent ou ses déceptions amoureuses. Is the song about what you're feeling, like disappointments in love, stuff like that? Yeah, I write a lot of songs about breakups. Elle parle beaucoup de ses ruptures dans ses chansons. But I also write a lot of love songs. I write a lot of songs about relationships because I think that those are the most fun things to sing about. And, you know, We Are Never Ever Getting Back Together is pretty, pretty like in your face, really obvious as to what I was thinking at that time. It's not subtle at all. Oui, avec cette chanson, c'est pas subtil, hein. C'est plutôt clair ce qu'elle pense. C'est direct. Voilà. C'est quoi? We are never getting back together. Yeah. C'est on se remettra jamais ensemble. Ah oui, d'accord. Elle le dit quand même d'une façon très claire dans la chanson, et donc c'est mort. C'est ce qu'elle dit. Et ben au-delà de ça, elle adore écrire sur les relations en général, mais elle écrit aussi des histoires d'amour parfois. Très bien. Voilà, ouais. Déborah, t'as ta réponse. Je suis sûr que tu vas nous demander un album. Oui, mais j'ai une deuxième question aussi. Vas-y. Alors. C'était pour savoir si elle comptait faire une chanson en français ou un petit morceau en français. Ah, elle pourrait pour le coup. Do you plan on singing in French one day? Ooh, that would be cool to sing in French. If I could get the pronunciations of everything right. I feel like I'm learning a few things here and there, and maybe if you guys help me out, you could teach me more words. No problem. Si vous l'aidez, c'est un truc qu'elle aimerait bien faire, mais il faut qu'elle arrive à maîtriser la prononciation. Vas-y, propose-toi. La grosse... Une chanson en français? Oui. Non, à l'aider. Non, pas celle-là. Pour ton aide. No, don't teach me bad words. I know that. Elle veut pas qu'elle apprenne des gros mots, hein. Bon, enfin, du pourquoi alors? Elle te connaît des biens, déjà. Non, mais non, qu'est-ce que... Une chanson... J'ai envie de toi, Coé. Non, une chanson facile. Qu'est-ce qu'on a, une chanson facile? C'est mignon, mignon, mais gros. Ah, ouais. Oh, non, c'est non, mignon. Non, un truc... Un truc plus classe. Aidez-moi, dans le public, une chanson française. Chanson française. Ah oui, vous parlez tous mieux anglais que français, donc on cherche. We're looking for a song. Non, moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, c'est dur, song. C'est dur à dire. Je l'aime à mourir. Lara Fabian. Ah, ouais. Je t'aime. Je t'aime. Okay, it's a song called Je t'aime, which means I love you. Ils n'aiment pas Lara Fabian. Ah, bah, c'est they don't chose, like it. Frère Jacques. Genre quoi? That's a cheesy song. La chanson qu'a 25 ans. That's a 25-year-old very cheesy song. Est-ce qu'elle en connaît une? Il n'y a pas une chanson de la même maison de disque, un artiste français qu'on pourrait chanter. Y a qui chez vous? M. Pokora. Jennifer. Ah, Jennifer. Oui. Au soleil. Voilà. Ah, c'est pas évident tout ça. Hein. Non, mais je t'aime comme un fou, comme un soldat, c'est très bien. Repeat after me. It's a beautiful song. Okay, here's your lesson, okay? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est trois fois. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou. Comme un fou. Comme un soldat. Comme un soldat. Comme une star comme de cinéma. Comme une star de cinéma. Ouais. Non, c'est pas le cinéma, c'est deux cinémas. Moi, j'ai oublié. Mais elle a la prononciation. Je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous. À mon hôtel. À mon hôtel. Elle a compris après ce que tu voulais minuit. Dire. After midnight, he's saying. Chambre de... Non, mais bon, on y était, là. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé.